Guide complet des défis groupe de pacification de Fortnite. Alors, le premier défi va vous demander de gagner le jeu d'arcade à la station sauvage et à la station de slap. Alors, les deux emplacements sont indiqués sur la map. Hein. Regardez, hop. Voilà. Donc, vous vous rendez à l'un de ces deux emplacements et vous allez devoir réaliser le jeu de la borne d'arcade. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, quand vous arrivez à l'emplacement indiqué sur la carte, vous avez un point d'exclamation qui vous indique l'emplacement de la borne d'arcade. Vous interagissez avec. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'atteindre le X avec le point vert en bougeant les flèches. Voilà, comme ceci. Hop, on va vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche. Dès que vous aurez emmené le point vert au X, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec la lame cinétique. Alors, les lames cinétiques, vous pouvez en trouver là où il y a des points d'exclamation sur la carte. Donc ici, ici, hein, un peu partout. Donc moi, je vais aller juste ici. Ensuite, vous récupérez une lame cinétique et vous allez devoir faire deux éliminations avec. Alors, pour ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous éliminer des vrais joueurs ou soit de vous éliminer des bots comme les bots d'Ultra Joker, etc. qui protègent le coffre-fort. Dès que vous aurez éliminé deux joueurs, ben là, vous aurez, ou deux bots, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Survivre aux phases de la tempête en portant une arme de rareté épique ou supérieure. Je suppose que c'est écrit. Ouais, c'est ça. Donc, une arme de rareté épique ou supérieure. Donc, ce qui est bien, c'est que la lame cinétique que vous avez récupérée avant, c'est une arme épique parce qu'elle est violette. Et si vous avez une arme en or, bah là, c'est une arme supérieure, une arme légendaire. Donc, ça fonctionne aussi. Et aussi avec les armes exotiques. Donc, ce que vous allez devoir faire quand vous avez une arme épique en or ou enfin légendaire ou exotique, ce que vous allez devoir faire, c'est de survivre aux phases de la tempête. Donc, il va falloir survivre à trois phases de tempête. Et là, je suis à 3 sur 12. Donc, je vais devoir survivre à 3 tempêtes pour terminer le défi. Dès que ce sera fait, ben, je débloquerai les récompenses. Ok, donc le défi est complètement buggé. J'ai essayé toutes les solutions possibles que j'ai imaginées. Et rien ne fonctionne. Ça fait 45 minutes que j'essaie de faire fonctionner le défi. Donc, je pense qu'il va falloir attendre que Epic Games corrige l'erreur. Mais après, si vous avez une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, je vais vous présenter les autres défis. Mais voilà, celui-là est complètement buggé, donc je peux rien faire. Alors, le prochain défi va vous demander de capturer, de conquérir un point de capture. Donc, les points de capture, vous en trouvez dans toutes les villes où il est marqué un nom de lieu-dit, quoi, tout simplement. Et là, vous avez un drapeau. Et en fait, ce drapeau, vous allez devoir le capturer. Donc ici, quelqu'un l'a déjà capturé à ma place, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous avez juste à rester dans la zone pour capturer le drapeau dès que le drapeau sera tout en l'air. Du poteau, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, ils vont vous demander de gagner un jeu d'arcade à Breakwater Bay ou Anvil Square. Donc Breakwater Bay, c'est ici en haut. Et Anvil Square, ben, c'est juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à un de ces deux lieux dits. Et ensuite, ben, trouver le point d'interrogation indiqué sur la map qui vous indique le jeu d'arcade. Et ensuite, ben, vous aurez juste à réaliser le jeu d'arcade comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Et là, ben, quand vous aurez terminé ça, vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, ils vont vous demander de parler à Feral ou Mizuki. Alors, Mizuki et Feral, hop, ils se trouvent dans vos personnages. Donc, Mizuki, c'est celui-là. Voilà. Il se trouve ici, à côté de la citadelle. Donc, là où j'ai mis mon ping. Et Feral, il est où Feral? Il est là. Feral, il se trouve à Mega City. Donc, juste ici sur le bâtiment. Donc il est en haut d'un bâtiment, donc dès que vous aurez parlé à un de ces deux personnages-là, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.